Mon histoire a commencé en 1993 à Gitega, la région des tambours sacrés, un bel endroit touristique. Je suis né sur la colline Higiro, Higiro qui signifie un champ de compétition. On raconte que les rois Nale Ier et Nililangwa s'y sont battus vers le 16e siècle. De génération en génération, cette histoire a été transmise aux enfants de ma région. J'avais 12 ans en 1993. Cette année-là, Melchior Ndadaye, le premier président élu démocratiquement au Burundi, a été assassiné par des militaires. Partout dans le pays, beaucoup de Hutus ont alors crié vengeance. À la machette, au gourdin, je ne sais quoi encore, des milliers de Tutsis sont massacrés par leurs voisins. Sur ma colline natale, où j'habitais à cette époque, il y avait aussi des Tutsis. Moi aussi d'ailleurs, mais ne me demande pas pourquoi, ni comment, cela vient de mes parents, je n'en sais pas plus. Le 21 octobre 1993, le président de la République fut capturé et tué. La population doutait jusqu'à ce que sa mort fût finalement confirmée. La mésentente éclata alors entre ceux qui n'étaient pas de même ethnie. Quand on était chez nous, on nous disait qu'on avait tué un vieil homme nommé Muremere qui habitait juste là en haut. Les tueries venaient de Mubuga à Mugutu, Murigwe et on nous disait que les Hutus tuaient des Tutsis à coups de machette. Nous préférions rester calmes, ne voulant pas adhérer à ces idéologies ethniques. Nous restions alors à la maison où l'atmosphère était lourde à cause des maisons brûlées. C'est alors qu'on a entendu des gens qui planifiaient comment ils allaient vous tuer. Puis, ils nous ont demandé ce qu'on faisait là avec beaucoup de méchanceté et nous nous demandions ce que nous avions fait de mal. J'allais chercher un régime de banan dans mon champ à Jougué, et là j'ai trouvé tout le monde avec des lances et des machettes. Ils ont d'ailleurs voulu me tuer. Les vaches et les chèvres de Nzigiradia pendaient au mur du cabaret. Et quand je leur demandais pourquoi ils avaient fait cela, ils m'ont répondu que c'était les Banyamugutu qui avaient commencé. Je leur demandais alors ironiquement s'ils allaient se venger sur ceux qui avaient saccagé leur maison en saccageant la leur. Avant ça un peu, j'entendis des gens des petits groupes que j'avais laissés sur la route dire entre eux que c'était vraiment par chance que moi, l'hyproniste, venait d'échapper à leur machette. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons entendu un petit groupe qui voulait vous faire du mal et nous ont demandé pourquoi nous vous avions laissé la vie sauve. Nous leur avons alors demandé pourquoi nous devrions vous haïr alors qu'on avait toujours tout partagé. Ils ont traité de chiens, nous leur avons rétorqué qu'ils pouvaient nous traiter de chiens, mais que se comporte moins un homme.
Voilà, le fils de nos voisins est venu nous dire qu'il fallait fuir parce que, disait-il, on cherchait à nous tuer. En rentrant à la maison, j'ai entendu des gens me dire que si nous n'agissions pas, eux allaient le faire avant nous. Je leur ai répondu de ne pas se faire de soucis, que nous allions terminer le travail. Arrivé en haut de la colline, j'ai prévenu tout le monde du danger qui pointait à l'horizon et je leur ai conseillé de fuir. Alors j'ai vu les gens courir. Ta maman Kalini est venue en courant et m'a dit « Séraphine, Vianney vient de me dire de fuir avec mes enfants. On est en train de massacrer tous les Tutsis. » Je lui ai alors demandé « Kalini, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Kalini, dis-moi ce que tu peux encore faire. » Kalini m'a dit « S'il te plaît Séraphine, aide-moi et cache mes enfants. » Je lui ai alors dit « Cours vite et amène-les-moi ici. » Ma maman nous a alors dit que nous devrions nous dépêcher. Nous avions peur, et malgré notre jeune âge, nous avions aussitôt compris que quelque chose d'anormal se passait. Le soir, alors qu'on fuyait, nous avons aperçu sur notre colline beaucoup de gens avec des machettes et des cordins. Nous courions, terrorisés. Parce que nous n'avions pas de refuge. Partout où on allait, ils nous voyaient. C'était comme revenir à chaque fois au même endroit. Arrivés dans le champ de café, nous nous sommes cachés dans les pailles. La nuit tombée, on entendait des gens marcher et nous avions de plus en plus peur car nous sentions notre fin approcher. Séraphine, qui nous avait vu nous cacher dans le champ, nous a appelés. Nous l'avons suivie chez elle. Nous lui faisions confiance car c'était elle qui nous avait prévenus. Je les ai fait entrer dans ma maison jusque dans ma chambre, sous mon lit pour les cacher. Ainsi alors, j'ai commencé à voir une foule monter à Higiro pour fuir parce que les Hutus avaient massacré les Tutsis. J'ai demandé alors quel sens allons-nous prendre pour fuir. Moi aussi, j'ai fini par avoir très peur et j'ai couru pour fuir. J'ai fui vers la forêt où allaient d'autres Hutus et je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je ne sais pas comment quelqu'un les a vus. Je ne saurais pas vous dire comment il les a vus. Et on a entendu dire, Cassien a caché chez lui ses chiens de Tutsi. Il a mis ses serpents dans sa maison. Laisse, si seulement ces serpents pouvaient le mordre en premier lieu. Faisons plutôt un plan pour attaquer Cassien, pour tirer de leur cachette ces gens qu'il a cachés. S'il ne prend pas garde, on le tue aussi, lui qui a osé cacher ses serpents dans sa maison. C'est ainsi que Mouswahili a alors dit, Cassien, puisqu'ils sont déjà au courant que tu les as cachés dans ta maison, il faut qu'ils changent de cachette. Ainsi, s'ils viennent chez toi, ils ne vont pas les trouver. Au soir alors, on a pris les enfants, accompagnés par les enfants de Mouswahili, qui les aidaient à passer à travers les enclos, et on les a amenés jusque dans la maison de Mouswahili. Deuxième jour de fuite, deuxième refuge chez Mouswahili. Aujourd'hui, 17 ans après, la femme de feu Mouswahili ne comprend pas comment nous sommes encore en vie. Elle n'arrive pas à oublier la fameuse nuit où nous étions obligés de fuir de chez nous pour se cacher chez elle. Elle entend encore les cris des hommes qui étaient à notre poursuite. Quand nous sommes arrivés chez elle, moi et mon cousin, pour le tournage de ce documentaire,
notre voisine Madame Anesi est sous le choc des émotions. Elle veut aussi nous offrir à manger. Le soir, j'ai accueilli toute la famille dans la maison de mon fils pour un certain temps. Mais les malfaiteurs, poursuivant leurs recherches, nous avons décidé de vous emmener ailleurs. Mswahili vous a caché chez lui, mais les malfaiteurs arrivaient à sa maison. Il est alors venu me dire qu'ils allaient vous tuer sans qu'ils ne puissent rien faire. Il m'a demandé de vous cacher chez moi pour vous sauver. On vous a alors emmené ici. Nos protecteurs eux-mêmes ont reçu de menaces de mort. En acceptant de cacher les Tutsis dans leur maison, ils devenaient des cibles potentielles. À ce moment, on a tous eu peur quand les malfaiteurs sont venus dans la matinée parce qu'on sentait que le pire allait arriver. On a décidé de nous organiser pour éviter un massacre. Ils étaient tombés d'accord et ils disaient « Kalini est notre voisine. S'ils veulent la tuer, ils devront nous tuer aussi. On ne va pas la laisser tomber. » Ils les ont alors accompagnés jusque chez Jean et ces derniers étaient prêts pour les recevoir. Je vous ai vu arriver chez moi pour y trouver refuge et je vous ai montré une cachette dans ma chambre. Je vous ai empêché d'en sortir pour que les malfaiteurs ne vous voient pas. Je vous réconfortais en vous assurant qu'ils devraient d'abord me passer sur le corps avant de vous tuer. Heureusement, j'avais une vache laitière que je n'avais qu'à traire pour qu'on puisse boire du lait, puisqu'on ne pouvait plus aller en ville pour le vendre. Un jour, alors que je faisais paître mes vaches sur la colline, j'ai rencontré les malfaiteurs qui m'ont demandé si je cachais une famille Tutsi, ce que j'ai nié. À ce moment, ils détruisaient toutes les fermes et me demandaient à chaque fois si je savais où vous étiez. Je niais toujours. C'est pour cela que je rentrais mes vaches plus tôt que prévu. Ma famille a eu une chance exceptionnelle d'avoir des voisins qui acceptent de nous cacher. Beaucoup de Tutsi n'ont pas eu cette chance. Après vous avoir hébergé un certain temps, on voyait que votre sécurité commençait à être menacée car le nombre de malfaiteurs commençait à croître. Nous avons alors décidé de vous emmener au centre de Gitega où les autres Tutsi avaient trouvé refuge. Nous vous avons accompagné jusque là et nous nous sommes alors sentis plus tranquilles. Nous venions de passer quelques jours chez nos voisins qui, ils ont alors constaté que les malfaiteurs pouvaient venir à tout moment pour nous tuer. De retour, nous ont accompagnés jusqu'au camp où les autres Tutsis s'étaient réfugiés. Ces Hutus qui nous accompagnaient avaient aussi peur que des Tutsis s'en prennent également à eux. Nous avons alors demandé à d'autres Tutsis qu'on avait reconnus de nous aider à les accompagner à notre tour jusqu'à environ 1 kilomètre du camp, à l'abri de Tutsis qui pouvaient leur faire du mal. Arrivé au camp des réfugiés, j'essayais de me renseigner afin de prendre des nouvelles de chez moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer notre voisin de Guéta, nommé Kom, qui m'annonça que maman et mes frères s'étaient réfugiés au chef-lieu de Guéta, mais que mon père n'était pas avec eux, car il avait été tué. Thank you.
On a alors eu des nouvelles qu'ils étaient à Gitega, là où étaient d'autres Tutsis qui avaient fui. Et on a eu le cœur tranquille. Ils avaient failli nous prendre notre voisine. Mais ça aurait été aussi notre mort. Imaginez-vous, ces enfants et les nôtres jouaient ensemble. Et dire qu'ils allaient les tuer devant nos yeux, vous ne comprenez pas que ça aurait été aussi nous tuer? Dieu nous a protégés de ces machettes. Il y avait un autre enfant qu'ils avaient laissé à la maison, qui n'était pas parti avec eux, et nos familles avaient le devoir de veiller sur lui et sur ce qui restait dans leur maison, parce que le reste avait été pillé. Mes voisins avaient proposé que je retourne dans notre maison et qu'ils veilleraient sur moi et nos biens. Ils avaient pris cette décision au cas où le reste de la famille était massacré en cours de route. Quelques jours après, mes protecteurs m'ont accompagné au centre-ville de Gitega pour y rejoindre le reste de ma famille. Kalini est alors venu nous voir, mais n'a pas mis beaucoup de temps, il est retourné. Et nous, tous ses voisins, on l'a alors tranquillisé, on lui a dit, « Reste ici chez toi avec ta belle-mère, elle s'ennuie toute seule. » C'est ainsi qu'elle a dit, « Je ne vais plus m'en faire, je vais revenir puisque mes enfants sont en sécurité. S'ils recommencent de tuer, tant pis, me tueront toute seule. » Mais il ne risque pas de tuer mes enfants devant mes yeux. On l'a alors encouragé en lui disant qu'il ne risque pas de recommencer. Elle est alors revenue et la tension s'est apaisée petit à petit. Je dois dire que ma maman est une femme courageuse. Seulement 2 mois après, il y est retourné pour voir si sa belle-mère était encore en vie. Quand la situation tendait à redevenir normale, les gens commençaient à aller dans les rues, je suis revenue pour récolter. Je suis passée chez mes voisins pour leur demander de me prêter une roue et ils m'ont dit « Rentre, on va veiller sur toi, personne ne va te toucher. » Et puis alors, arrivé ici, ils venaient tous les jours et passaient la nuit chez moi. Même pendant la journée, ils gardaient la maison. Personne n'a touché à notre maison. Ils m'ont donné des semences de haricots. J'ai semé et ce sont eux qui m'ont permis de redonner vie à ma maison. Séraphine et ma maman, malgré cette guerre ethnique, et sont restés les meilleurs amis du monde. Mes relations avec Séraphine sont très bonnes. Nous cohabitons pacifiquement. Elle n'est pas seule. Quand je n'ai pas de sel, je leur demande et ils m'en donnent. Et nous vivons de la préparation et de la vente de la bière de banane. D'ailleurs, moi, quand il me manque quelque chose, je cours vers elle. Quand j'ai besoin d'argent pour régler un problème, je viens la voir et je lui demande « Est-ce que tu n'aurais pas un peu d'argent à me prêter ?» Si elle en a, elle m'en donne. Si elle n'en a pas, je ne lui en veux pas. Quand elle a un souci ou un travail qu'elle ne sait pas faire seule, elle m'appelle. Ou si elle n'a pas le temps de descendre me voir, elle me dit de venir. Quand elle a une bière, même un seul bidon de bière, on va le vendre toujours ensemble. Et nous pouvons alors dire que nous sommes dans la paix. Et il n'y a pas amour plus que le nôtre.
Ce tournage a suscité en moi une grande nostalgie, en voyant les paysages et surtout les relations personnelles qui caractérisent ces communautés rurales. Un jour, j'ai suivi ma maman quand elle allait faire ses travaux champêtres. Quand elle s'est aperçue de Kiyabu, un voisin Hutu en train de cultiver dans son champ, spontanément, ma maman s'est jointe à ce monsieur. La guerre peut-elle renforcer la solidarité entre les gens? En fait, mes frères, mes cousins et moi sommes tous partis vivre notre vie ailleurs. Mais ma maman est toujours entourée d'enfants. Ceux de voisins viennent lui tenir compagnie et l'aider dans ses tâches ménagères. Moi, mes enfants, dont tu fais partie, vous avez grandi et vous êtes partis travailler loin. Mais moi, grâce à l'amour et l'amitié qui me lie avec mes voisins depuis très longtemps, par exemple, la maman de celui-ci habite là, la maman de celle-ci habite de l'autre côté. On me les envoie tous et je profite de la présence de leurs enfants et je ne m'ennuie jamais. Quand j'ai besoin d'eau, je demande à leur grande sœur d'aller m'en chercher. Et je peux aussi les envoyer chercher tous ceux dont j'ai besoin. Ils restent avec moi, je leur donne à manger quand ils sont là. Même quand leurs parents ne sont pas là, je les garde et ils voient qu'ils sont restés avec leur grand-mère et qu'ils sont dans de bonnes mains. Tous les jeunes venaient d'apprendre une terrible leçon et nous aussi, nous avions appris de votre grand-père qui disait que nous sommes tous frères et que l'on devait s'aimer. Nous devrions donc partager tout et vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Yeah.